The United States Air Services in World War I owed their success to the tutelage, the training, the tactics, and in fact, the aircraft provided by the French. That spirit of cooperation extends all the way back to the Revolutionary War. Mesdames, Messieurs, il y a une semaine, nous avons rendu un hommage solennel au sacrifice des soldats américains qui ont donné leur vie au service d'une cause supérieure afin qu'un pays comme la France, qui n'était pas le leur, retrouve la paix et la tranquillité. 14 246 reposent ici. En ce 29 septembre 2018, nous nous retrouvons autour de l'un d'entre eux, le lieutenant Franck Luc, tombé au champ d'honneur il y a exactement 100 ans, jour pour jour. Le lieutenant Franck Luc est mort au combat à l'âge de 21 ans. C'est jeune, mais cette courte vie offerte au sacrifice se rappelle encore à nous aujourd'hui, à l'instar de toutes ces croix blanches régulièrement disposées qui témoignent dans un contraste singulier de l'extrême violence des combats menés par nos camarades américains lors de l'offensive Mosin-Bonne qui devait aboutir à la défaite de l'armée allemande et l'armistice le 11 novembre 1918. Quand on lit sa vie, les circonstances de son engagement, puis celles de sa mort, le lieutenant Franck Luc synthétise l'engagement des jeunes Américains ainsi que la profonde collaboration entre nos deux pays. L'engagement des jeunes Américains d'abord, imprégné de l'enthousiasme d'une jeune nation en pleine expansion, qui découvre l'arme aérienne dans le conflit mondial. Engagement de ce jeune lieutenant qui pousse à ses limites en devenant pilote, franchissant avec succès un cycle de formation exigeant et dangereux, avant même que d'affronter les rigueurs du front, puis au combat, où il pousse l'audace jusqu'à choisir les missions les plus périlleuses qui le conduiront au sacrifice ultime. La France, fatiguée mais expérimentée, qui va contribuer à préparer, entraîner et bâtir une armée moderne et autonome qui s'engagera avec fougue dès septembre 1918 dans les grandes offensives de Serviel et Meuse-Argonne, comme un écho à la bataille de Yorktown où les Français vinrent à la rescousse des insurgés américains. Cet hommage que nous rendons aujourd'hui au lieutenant Franck Luc, c'est l'hommage que nous rendons au sacrifice des jeunes Américains morts pour la France qui doit rester pour nous le ciment d'une amitié indéfectible entre nos deux peuples. Retired Lieutenant Colonel James Rusty Mitchell, former squadron commander at Luke Air Force Base and now leader of Luke's Community Initiative Team, will now read a letter sent from the family of Frank Luke Jr. and deliver a brief eulogy. Merci. Thank you. General, citizens of Mirabeau and France. On behalf of General Canterbury, 56th Fighter Wing Commander, and 5,000 men and women of Luke Air Force Base, it is truly an honor to be here today. To start with, I would like to read a statement from the Luke family, who unfortunately cannot be with us today, but the Luke family that lives in Phoenix, please ask me to read this. There is no time like the present to honor brave individuals who defend freedom at great sacrifice. My uncle, Lieutenant Frank Luke Jr. was a true hero who possessed extraordinary courage, skill, and determination. He had a passion for service, justice, and liberty, regardless of the cost. Giving me quite the challenge. I'm proud to have commanded Luke Air Force Base, his namesake, as you have heard. I am proud to have had the call sign Luke 1, and I'm proud that Luke and the greater Phoenix area still produces the world's finest aviators. I saw this happening and was having none of it. He dived in on these eight attacking Germans solo, one versus eight. He killed two so fast it scared the other six and they left the area. Werner was fiercely loyal to Wingman, who would give everything to protect him. Thank you for the privilege of being here today. Thank you, General Breedlove. We will now proceed with the laying of the wreaths. Nous allons à présent procéder au dépôt des jeunes. Please rise. Mayor Gary Wyer.
Retire the color. Close ranks. Left wheel. Forward. Head up! Hey! Head up! Thank you.
Clairball,